On a invité des amis pour nous parler de leurs jeux qui ont marqué leur enfance. Bonjour à la maison, je m'appelle Guise. Et je m'appelle Alexandre. Et bienvenue encore une fois dans notre spécial de Noël dans lequel on déterre des souvenirs de notre enfance. Parce que pendant tout le temps des fêtes, c'est notre concept O-A-I-D-A-P-N-P-D-L-J-Q-O-M-L-E. Et aujourd'hui, on est avec Alex de chez Outer Minds. Comment ça va, Alex? Ça va super bien. Ouais. Mais c'est quoi Outer Minds? Ça semble être une compagnie de jeux vidéo, n'est-ce pas? Ben, je pense que oui. Ben oui, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis cofondateur d'Outer Minds, qui a fait entre autres les jeux de PewDiePie avec Legend of the Brofist et Tuber Simulator. Et Alex, ben, c'est mon ami cofondateur. Mais là, assez parlé d'Outer Minds, on va déterrer ton enfance. Un jeu que t'as reçu quand t'étais jeune, qui a marqué ton enfance. Vous le savez, vous avez vu le thumbnail, là, mais c'est quoi? Super Mario World. C'est vraiment un excellent jeu. Honnêtement, ils ont bien itéré, là, t'sais, à chaque jeu, était de meilleur en meilleur. Puis là, avec Super Mario World, tout le monde attendait ça sur la nouvelle console. Puis ça a pas déçu. Et puis, comment ça s'est passé? C'est-tu un cadeau qui était en dessous du sapin? Ah ouais, ben c'était un cadeau de Noël, en fait. Moi puis mon frère, à l'époque, on espérait bien gros avoir ça. Puis tu sais, c'est dans le temps où c'était des catalogues. Puis là, fallait encercler les choses qu'on voulait. Fait que là, ben tu sais, moi puis mon frère, évidemment... Je comprends. Hey, sans plus tarder, on va y jouer. On va continuer de jaser. Fait que je t'invite à commencer, je te laisse jouer. Donc tu disais ton frère, donc c'était qui, Luigi? Ben... On jouait pas mal chacun notre bord, en fait. On n'était pas du genre à jouer, moi puis lui, ensemble, mais on avait, pour dire, 6 ans de différence. Parce qu'on accepte aussi la technique être deux Mario, donc se passer la manette en Mario. Tu sais, un peu une espèce de mode co-op, de confiance, de régnage, de passer la manette. On avait... C'était pas mal ça, en fait. On avait une game, puis on se... Tu sais, de temps en temps, un jouait, des fois c'était l'autre. Fait que... Mais c'était moi le meilleur. J'essaye de... passer le tutoriel. C'est ça. Ouf, le tutoriel est fait. On peut avancer. OK, fait que là, on a deux choix, là, à droite ou à gauche. Mais ben, moi, je sais que le meilleur choix, c'est pas... Tu le sais? Oui, je sais, c'est quoi. Vas-y. Ouais, je sais, une mémoire. Là. C'est à gauche? J'aurais pensé à droite. C'est vrai? Mémoire, moi. Non, ouais. Non. C'est parce qu'il y a un petit... Ah. Bon, attends, j'ai manqué mon ennemi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde te juge. Hey, tabarouette! Attends, non, mais c'est parce qu'il faut que j'aille le chercher. Là. Bon! Wow! Ça, je me souviens, quand j'ai vu ça quand j'étais jeune, les bullet bill géants. Tu sais, dans Mario 3, il y a beaucoup de gens. Là, je m'excuse à la maison, mais si vous étiez pas au courant, je vais briser votre enfance. Mais il y en a beaucoup qui utilisaient les flûtes et ils n'avaient jamais découvert le monde des géants dans Super Mario Bros. 3. Oh, c'était le meilleur! Pis ça, moi, j'ai l'impression que Nintendo a fait, regarde, il y a du monde qui l'ont pas vu, là. Mais regardez si c'était hot. Avec un bullet bill géant dès le début. Puis quand on pogne la cape, là c'est ça, c'était hot là. Ouais, la cape qui était un peu l'équivalent de la queue dans... Ouh! Mémoire, hein, ça me va. Écoute... Ah, ils l'ont-tu le tour pour nous faire des tutoriels? Parce que tout ça là... C'est des tutoriels. Ce niveau-là est un niveau pour apprendre à jouer. Puis les développeurs ont vraiment trouvé une manière de te forcer à faire les bonnes affaires. Ben, c'est comme Mario 1, en fait. Tout Mario 1 au complet, c'est un grand, grand tutoriel. C'est vraiment bien fait au début. Il y a le petit Goomba que pour sauter par-dessus, t'as pas le choix de prendre, de frapper la brique qui est au-dessus. Puis là, tu découvres que tu peux frapper des briques. Après ça, t'as le tuyau qui est un peu plus petit, t'apprends à sauter. Le tuyau qui est un petit peu plus grand, là, t'apprends, il faut que tu tiennes le piton pour sauter pour aller plus haut. C'est tout, on s'en rend même pas compte, puis on apprend à jouer au jeu. Oui, et voilà! La Switch! C'est ça, la Switch. La Switch, oh, yeah. Plusieurs années avant son temps. La joke Switch. De Switch, ouais. Switch! Oh. Ça, c'est juste plaisant. C'est juste plaisant. C'est vrai, hein? Ah, oh, ouais, c'est pas si fort que ça, mais c'est plaisant. Tu sais, mine de rien, t'es rendu à 10 vies. T'as pas perdu de vie. C'est vrai. Tu dis que t'es rouillé, t'as raté le premier ennemi. T'as eu de la misère à pogner la première scène. C'est vrai. Ben oui, parce que pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, il y a plein de secrets. Donc ça, c'est le premier secret, la première Switch. Puis, il y a comme des pointillés de la couleur de la Switch au début qui sont pas là. Puis ça permet de faire un peu de backtracking éventuellement. Pour aller chercher d'autres secrets, finalement. Là, il envoie les Switch partout. Partout, il y avait des petits pointillés. On les remplit. On va sauvegarder. D'un coup, tu serais pas capable de le faire. Ben oui. Et là, Yoshi. Le premier Yoshi. Et là, il te l'explique. C'est vraiment hot. Il était pogné dans un œuf, c'est un peu absurde si sa manière de naître, c'est être dans un œuf.
puis qu'ils te disent, ben, merci, je t'ai pogné dans un œuf. Puis ça, je pense qu'ils voulaient que tu le pognes. Pour que tu fasses du feu pour la première fois. Ouais. Ça, là. Mais moi, quand j'étais jeune, mon frère, il me disait, ah, quand t'es sur le Yoshi, la musique est différente. Mais quand j'étais jeune, pour vrai, j'entendais pas la différence. Ça montre que quand on est jeune, on a vraiment une vision différente de toute notre réalité. Un message philosophique. Ben oui, j'aime ça. Oh, ça c'est un exemple. Oui, ça, ah, c'est ici. Deux exemples, voilà. De où il n'y avait pas de Switch. Donc ici, ça rend le jeu plus facile, ça t'empêche de tomber. Et l'autre, ben, ça te donnait un champignon que tu n'avais pas besoin parce que t'es super bon. Oh, j'ai dit ça puis t'as failli mourir. C'était tout un plan. Oh! Fait que quand t'attrapes un certain nombre de pommes, ben Yoshi pond un œuf et il y a un item. Et là, ça semble être un secret. Donc, le premier niveau qu'on a joué, on a eu la fleur. Ouais. Là, on a le Yoshi. Ouais. Prochain niveau, la cape. Oh mon Dieu. Celui que j'attends. Oh ouais. Le souvenir que j'attends depuis le début. Ben, je dis ça, puis je pense qu'il n'y aura même pas de cape. Ça va être l'autre d'après. Ça se peut. C'est bon. Oh, celui-là. Non. Ici, non. Moi, je me rappelle que, en fait, c'était bien fait. Pas de cape. Au début, les tableaux sont... Ça se fait. Même quand t'es jeune, je me rappelle, j'avais réussi. Ce qui était difficile, c'est qu'il y avait des tableaux spéciaux. Mais ça, c'est plus difficile que, par exemple, le premier Super Mario Bros. Ou Super Mario Bros. 3 au début. Tu sais, on est juste dans le troisième tableau ou le deuxième, dépendant de quel bord on est parti. Puis avoir des plateformes qui bougent, c'était... Ouais, c'est vrai que c'est tout un défi, là. Je sais pas si à l'époque, ils se disaient... Ah, mais les gens, ils ont déjà joué aux autres Mario, tu sais. Ben oui, mais c'est parce qu'il y avait toujours des nouveaux jeunes qui, eux, n'avaient jamais joué. C'est vrai. Est-ce qu'on va avoir la cape? Alex? Écoute, j'espère, je vous ai menti tantôt. Je pensais que la cape était là. On veut la cape. Oh non! Yoshi! Hey! Mon fidèle compagnon. Oh, Yoshi qui peut sauter sur les pics, lui, tout va bien. Ah non! Oh, Yoshi, non, mon ami! Péta! On sent mal, hein? On va être démonétisé. Ah, puis t'as un objet en backup en oui, haut. Ça, oui, c'est oui, une c'est vrai. Ah, mécanique ça, c'est intéressante. Vrai. Parce qu'à un moment donné, tu peux alterner entre ta fleur et ta feuille. Ça devient quasiment une stratégie, là, tu sais. Hey, c'était pas un long tableau, ça. Ça commence slow, là. Ça commence pas trop pire. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune avec... Oh, ça c'était, oh, fun! Ça, c'était cool! Ok, attends, il y a un truc. C'est quoi? Faut se tenir ici, là. Ok. Puis Oh! Je l'ai manqué! Attends, je pense que je peux le reprendre. Yes! Mais t'as pas eu l'étoile, sinon t'aurais eu encore plus de vie, j'imagine. Ouais. Il y a peut-être une autre position. Moi, je pensais que c'était ici. Peut-être. Je pense que ma mémoire elle a des trous. Mais c'est pas pire, c'est pas pire! Comme un petit fromage suisse. Ben oui, c'est cute, hein? Oh, le château de Iggy, parce que là, on avait les noms des enfants de Bowser. C'est la première fois. C'était-tu la première fois? Ben non, dans Mario 3, il y avait aussi... C'était-tu les mêmes? Ah ben oui. Qui ont tous des noms de qui ont des liens avec la musique, on va se le dire. Ah, oh, ça, je trouvais ça malade. Ça, c'était cool, genre. Parce qu'on pouvait les... Oh, oui. On le voit qu'il donne des coups! C'est excellent. C'est on excellent. Peut puncher les tortues pour les envoyer vers une mort certaine dans la lave. Et, parce que on peut aussi faire poup! Parce que avec. Ben, c'est avec nos fesses, en fait. C'est malade. Ça, là, pour vrai, c'est malade. Du 3D dans du 2D. Moi, ça m'épate, là. Ah, ils ont même fait la petite transition comme par en haut. Oh, oui, on va la voir, là. Oui. Hop! C'est ça que je trouve ça inspirant. En tant que développeur de jeu, je trouve que c'est vraiment inspirant de voir à quel point ils ont mis du détail dans des petites affaires. Puis ça change pas grand chose au jeu, c'est juste que ça rajoute une saveur, puis une personnalité, puis une couleur au jeu. Les gros sprites, je pense que c'est ce qui a fait le changement, parce que sur la NES, il y a des développeurs qui essayaient dans Contra, des fois il y avait des gros monstres, mais c'était plus compliqué, il fallait qu'ils jouent un peu avec les sprites, c'est plusieurs morceaux. Là, il y en a une abondance. Oh, et tu te bats contre, c'est Easy, je crois, celui-ci. Je sais pas. J'ai jamais su un nom. Ben, oh. Tu sais, tout arrive chez eux. Ben oui, il n'y a rien demandé. Oh. Je me sens un petit peu mal, le Guiz. Ben oui. Tu sais, je t'ai invité pour qu'on se remémore Noël, pas pour qu'on fasse un génocide de tortues. Ouais. Puis t'as fait exploser le château en plus. Ouais. Mais il y avait tout le temps des twists différentes. Là. Au début, on le fait exploser, puis à un moment donné, il y a toutes sortes d'affaires. À un moment donné, on saute dessus. À un moment donné, on le fait partir comme une fusée jusqu'en arrière dans le décor. Ouais.
J'adore les cinématiques. C'est quoi le premier jeu qui a eu une cinématique dans l'histoire du jeu vidéo? Toi de me le dire, Guiz! Moi, je dirais, selon ce que je pense, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, je pense que c'est dans Miss Pac-Man. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tiré la première balle de feu, a tué la première... La cape? La cape. Ah, la voilà! Yeah! La première cape! Ah! On va le remercier, aussi. Oh my god. Pis ça, c'était cool. Pis je me rappelle... tellement beau, là, avec la cape jaune, les trois couleurs, bleu, rouge, moi, jaune. Moi, c'est personnellement mon préféré de toutes les suites de Mario. C'est vraiment mon préféré. Il y a tellement de versatilité. On peut... Et voilà. Tous les projectiles, on les détruit. On peut voler. Pis on peut aussi mourir. Mais t'en as une autre, fait que c'était tout prévu. Ouais. Oh! Fait que là, on a le choix, la clé, la clé, la clé. On va la clé, hein? Ben oui, la clé, c'est le fun. La clé. Ok, cool. On va aller chercher la clé. Brrr! Puis là, il y avait une technique aussi pour voler à l'infini. Ben oui. Avec la petite cape bombée, là. Ouais, c'est ça. Faut que t'aies un bon timing. Oh, puis là, c'est un autre chemin. Parce que c'est pas le chemin naturel là, que t'as pris. C'est le chemin. Oui, parce que dans ce jeu-là, il y a des sorties secrètes qui t'amènent à d'autres chemins. Qui peuvent t'amener à des... Comme là, il y a des maisons hantées. Le poisson qui dort. Ben oui, il dort. Ben non, on veut la cape, on veut pas... C'est le fun de tirer des balles de feu sur des poissons, parce que c'est très logique que les balles de feu restent allumées dans l'eau. Mais, mis à part la science, on préfère la cape. Oh, le P! Ça, c'était fun. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un drôle d'aspect, Mario, quand il... Oui, il était super gros. Ben, je pense que t'es rendu en haut. Non, attends, je pense que... Aha! Yes! Oh ouais! Je n'ai rien dit. Oh, ouais. Il reste encore des secrets à la maison. Et je vais stratégiquement attendre ici. Voilà. Pour aucune raison. Voilà. Un complétionniste. Moi, je sais pas, j'ai pas pris les autres, mais c'est pas grave. Je sais que t'es aussi fan de. Un gros fan de Donkey Kong Country. C'est vrai. J'ai rejoué plus tard parce que, tu sais, à un moment donné, j'avais d'autres jeux à jouer. Malgré que c'est un bon jeu. Tu t'es fait tuer. Je ne mérite plus cette manette. Je suis mort! Elle a fait attention, t'es petit. Ouais, je sais. T'es vrai. Mort à ce poisson-là. Je veux dire, t'es jamais mort à ce poisson-là. On se cache. Oh, pis ça va être une clé, ça, hein? Ça va être une clé, oui, ça. Va être une clé. Je sens la clé. Oh my god. Ah, j'ai eu chaud. Pour vrai, j'ai eu chaud. Ben oui. Non, mais quoi, ça fait quoi, 25 ans de jeu là, 20 ans, je sais pas. J'ai encore des petites émotions quand je joue. Non, mais c'était bien fait là, ça vieillit bien. Oh, la maison fantôme avec les fantômes qui te courent après. Ouais, mais ça quand t'es de dos, un speedrunner il courrait puis il passerait en deux. Est-ce que t'es en train de dire que je suis pas un speedrunner là? Pas du tout. C'est ça que t'as insinué. Encore une fois, c'est ce que je disais, les gros sprites, le fun. C'était marquant, c'est vrai que c'était marquant. C'était des gros moments. Ah, des sous. On est pas capitaliste. Hein? Bon, fait que là, ici... Oh, il va sûrement avoir une porte ici. D'après moi, il y aurait une porte. Ça de même. Ben oui. Les portes bleues, ça mène à un autre secret. Non, les portes bleues, c'est les portes qui apparaissent avec un P. Ok, sont juste temporaires. Temporaires, parfait. Voilà, exactement. Mais là, il y avait une autre sortie à ce niveau-là, je pense. Qui aurait débloqué comme une étoile en dessous, je pense. On a vu la... Hey, ça, c'est hot. Ça, c'est agace parce qu'on voit la fin. Ça, c'est une super bonne idée. C'est vraiment une bonne idée, ça. Hey, le château de Bowser, c'est comme une métaphore. Hein? On dirait qu'on est à Vegas, mais c'est le mal. C'est vrai. On salue Vegas qui nous écoute aujourd'hui. Oh, non. Oh les niveaux de glace. Bon, il y a quoi ici? Oh! Première étoile du jeu. Faut se dépêcher. Si je me souviens bien, il faisait des flips en plus. Ben, dans Mario 3 aussi, il faisait des flips quand tu pognais l'étoile. Des saltos avant au lieu de faire des sauts dans le monde. Je suis pas sûr, je sais pas, peut-être. La glace pis l'eau, c'est chien. Ouais, ça c'est un affaire que j'ai jamais vraiment aimé dans les jeux par contre. C'est comme un running gag, qu'est-ce que les gamers demandent plus? Des niveaux d'eau et des niveaux de glace. Wow! Oh, tu joues avec le feu. Ah ouais, hein? Ou avec la glace plutôt. Oh, est-ce que tu vois une vie? Oh, oui. Oh, puis t'aurais pu empoigner une autre si ça était tombé sur la tête. Sur le... Voyons, j'ai de la misère à parler. Sur la tortue à côté. Sur la tortue. Et là, on va arriver dans une nouvelle map. Ah. Ça nous amène ici. On a pris un petit raccourci. Ben oui. Mais c'est pas pire. Speedrunner style. Ouf, je pensais pas que tu l'atteignais celui-là. Pas évident.
Mais pour vrai, ça commence à revenir, là. La tortue bleue, si je me souviens bien, avec Yoshi, ça faisait quelque chose de manger. Ouais. Est-ce que tu pouvais voler? Oui, elle te donnait des ailes. Elle te donnait des ailes, tu pouvais voler jusqu'à temps que tu finisses par avaler la... C'était comme le Red Bull de l'époque. Red Bull, donne des ailes. Le jeu, c'est sérieux, vous rappelle qu'on cherche des commanditaires. On jase. J'en bois déjà. Je veux dire, j'en boirais vraiment si j'avais une commandite. Ah non! Ah non, ah là. Tabarnouche, t'es chanceux. Ouais, là, c'est, écoute... T'es pas bon, là, t'es chanceux. Mon frère me disait que j'étais tellement chanceux dans ce jeu-là. Il supposait, comme théorie, que la petite lumière là, du Super Nintendo, c'était une caméra. Il voyait quand c'était moi. Oh oui, ça avec la cape, tu pognais juste des ronds. C'est vrai? Ouais, ça donnait des coups de cape, ça je m'en souviens. Mais c'était quoi le truc? Pourquoi que des ben, fois... Ben, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard? Ouais, faut que t'ailles 3 sur 3 en hasard, mais si tu donnais un coup de cape, t'avais toujours 100%. Ah ben... C'est toujours des ronds. La après cape, années... encore une fois, c'est le plus fort. C'est quoi qui... Pourquoi tu vas pas l'étoile? C'était juste l'information. Comme un petit pop-up qui t'explique des affaires, je pense. C'est drôle, juste avant la fin du stage. Hey, by the way, le stage finit là. T'es bien parti! Ben continue! Oui. Lâche pas! Lâche pas! Moi, c'est... Wow! Ouais, y a aucun bug. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que dans les autres Mario, tu sais, la boule de feu, c'est quand même cool, là. T'sais, quand ben tu oui. dis, moi, je peux lancer des balles de feu, c'est cool. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de plus cool encore que la balle de feu. T'as fait... Parce qu'on s'entend, t'as le choix. Ouais, j'ai... T'as sacrifié Yoshi, puis je pense que tu savais ce que tu faisais. Ben, j'essayais de parler pour pas que tu vois que je suis aussi cruel des fois. OK. J'essayais de... Non, mais tu sais, la diversion. Oh, des bébés... Oh! Ils sont pas mal cute, hein? Des bébés Twomp. Puis ils essayent d'avoir l'air fâchés. Oh. Mais ils sont tellement pas menaçants. Bon. Ça, c'est un papa. Bon, oui, les papas sont pas fins, fais attention. Les papas, eux autres, ils... Ouais. C'est peut-être des mamans. Comment tu fais pour savoir le sexe d'un Twomp? Tu m'as dit que t'étais un spécialiste en Super Mario World. Moi, je pensais que tu savais la base, là. Genre la reproduction des ennemis pis des affaires de même. C'est une bonne question. Tout est vivant là-dedans. Même les collines ont des faces. T'as demandé... Ben, moi, je pense que je sais comment ça se reproduit, des collines. C'est vrai? C'est quand la maman colline, elle aime le papa colline, oh. Ben les deux crient, puis ça appelle la cigogne. Ben un peu comme les humains finalement. Mais là on a deux choix, à la gauche ou droite? Non, à gauche. À gauche? Ah, parce que c'est un piège. C'était sûr que c'était juste. C'était un piège! Sous. Ben c'était pas un piège, t'avais des sous. C'est vrai. Donc t'aurais été récompensé, mais d'une manière différente. Et c'est là, vrai. T'as trouvé le secret pour éviter le bout de toffe. Ouais, mais là. Mais que tu devrais devoir faire quand même. Oh, mais il y avait une vie! Mais c'est trop vite! Monte! Ok, c'est même pas stressant. C'est trop bon! Mais non, check. Les designers, ils avaient pas prévu avoir quelqu'un de bon. Ils verraient ça aujourd'hui, puis ils feraient comme... Ouais... Oh! Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Des pics. Des pointillés! Oh! Des pointillés verts! Ben oui, fait que t'aurais eu un break de plus si t'avais eu la Switch verte. Oh! Bonjour! Ah oui, pis là, je vais essayer de réussir ce que je fais d'habitude. C'est quoi? Tu vas voir. Ah non. Moi, j'ai juste pas encore la réussite. T'es encore bon. Pas de stress. Je m'installe ici. Ah ouais, je sais qu'est-ce que tu vas faire. Il pense à quelque chose. Waouh, non, on sait pas c'est quoi, mais là, on peut mettre ce qu'on veut et il pense à quelque chose. C'est pas pire. Voilà. Wow. Hey, ben, bravo, Alex. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs-là. Ben, merci à toi, Guiz. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Oh, il pète la tour. Oh, my God, c'est bon. Mais il aurait pu faire ça au début. Ben, il se donne beaucoup de... Il se donne beaucoup de troubles à aller dans la tour puis aller jusqu'à péter la gueule du fils à Bowser que jamais rien demandé pour après, en plus de l'humilier, il détruit son château. C'est juste pour ajouter l'insulte à l'injure. Et encore une fois, merci beaucoup Alex. Reste avec nous, on va avoir d'autres invités pour les jours de Noël et tout. Puis sinon, ben, allez jouer au jeu de Outer Minds. On est super fiers de ce qu'on fait. On vient de sortir un jeu avec H3H3 qui s'appelle H3H3 Ball Rider sur mobile, c'est gratuit. Puis nos jeux viennent super, super bien. Legend of the Brofist sur Steam, super bon. Et notre classique Tuber Simulator.
Et ne pas oublier Tadpole Tap. Et on n'oublie pas Tadpole Tap. Puis sur quoi Termines travaille en ce moment? Je sais pas. Je suis mal à l'aise, là. On travaille sur un jeu de console. Allez, à plus! Easy.